Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'avais envie de faire des petits champignons, ouais, en embellissement. Et puis, j'ai commencé, hein. Et puis, je voulais vous partager ça. J'espère que ça vous plaira. C'est top facile. Top facile. Donc, pour dessiner un petit champignon comme ça, très facile. Donc, je vais le faire devant moi parce qu'autrement, je suis nulle. Donc, on va faire le petit qui va à côté, tiens. Donc, on peut les faire sur du papier en les dessinant. Je vais lui faire un chapeau bombé. Voilà. C'est tout simple. Ça fait ça. Ensuite, eh ben, on peut le détourer ou alors on peut. Donc, ouais, on va le détourer. On va le détourer. J'aurais pu faire un tout seul. Ah non, j'en fais deux. Donc, comme ça, ce sera fait. Ça me servira pour mes créations d'automne. Voilà. Donc, je détourne mes champignons. Bon, j'espère que vous allez bien. On n'est pas en automne, hein, on est au mois d'août. Hein. Je fais ma vidéo au mois d'août. Comme je ne pars pas beaucoup en vacances cette année, je reste à la maison pour cause de travaux qui n'avancent pas à cause de la mairie, qui ne veulent pas nous donner notre autorisation de travaux et ça nous prend la tête. Donc, on reste à la maison, on fait des petites balades et puis voilà, hein, on en profite pour aller voir les cousins, cousines. Voilà. On se fait des pique-niques. Donc là, on est au mois d'août. Forcément, je vous raconte ça, mais vous l'aurez en septembre, la vidéo. Hein. Vous ne l'aurez pas au mois d'août. Hein. Comme ça, vous saurez ce que j'ai fait cet été. J'aurais pas fait grand-chose, mis à part les rencontres avec la famille. Et ça, c'est important. Moi, j'aime bien. Donc voilà, j'ai découpé mes petits champignons. Ensuite, on peut venir avec du papier. Donc, je vais prendre le papier que m'a offert Nathalie G. C'est un papier artisanal. Donc, je vais coller mes petits champignons dessus. Je vais coller juste le chapeau. Hein. Donc, je vais mettre de la colle. Je ne me prends pas la tête. Hein. Je fais ça vite fait. Tout simplement. Voilà. Je vais coller un par un. Donc, je vais couper un petit carré. J'ai déjà coupé dans un petit coin. Non, je vais déchirer parce qu'il se déchire très bien. Hein. Alors, si vous faites ça, faites avec du papier qui est fin et qui se déchire bien. Voilà. Hein. On va couper un petit peu là. Voilà. On va positionner sur notre chapeau. Voilà. Alors, j'en ai fait un avec ce papier-là et j'ai collé avec de la colle. Où est-ce qu'elle est cette colle? La colle orange, vous savez, en stick. Donc, on voit le orange à travers et ça rend super bien. Je vais vous montrer tout à l'heure. Si je pense, parce que j'ai déjà fait la vidéo, hein, mais j'étais mal cadrée et j'espère que là, je suis bien. Je ne vais pas la refaire une troisième fois. Donc, je reprends un petit bout de papier que je déchire. Un petit peu de colle sur mon champignons. Rassurez-vous, il ne va pas rester ébouriffé comme ça. Je vais le tailler. Hein. Je vais lui faire une petite coupe. Voilà. Voilà. Ça fait un peu comme le papier de riz. Ça se déchire. J'aime bien. J'aime bien. Puis si on a un petit bout qui est mal collé, où on voit un peu trop le papier. Annie, c'est pas bon. Tu vas couper un petit bout là. Tu vas mettre en dessous. Ah ouais, il faut bidouiller. Hein. Parce que là, je vois mon chapeau qui n'est pas recouvert. Et comme la colle la traverse, eh ben, moi, je veux que ça colle. Voilà. Très fragile ce papier. Hein.
un petit point de colle. Je m'embête pas, je vais par-dessus. Voilà. Hop, on décolle la crêpe et on coupe tout autour. Alors, j'ai fait avec du papier patouille aussi, mais c'est plus long à coller. Donc, c'est sympa parce qu'on a... Il suffit de regarder une tache des fois et puis on se dit ça c'est bien, c'est pour le chapeau du champignon, ça va être super. Voilà, c'est mal collé. C'est pas grave, je laisse comme ça, je mettrai du marron. Voilà, je laisse sécher. Donc pour les je mets tous par terre. Pour les boutons. Alors les boutons, je les ai coupés en deux. Hein. À la base, ben, c'est ça les boutons, hein, avec 4 trous. Voilà. J'ai choisi des boutons en bois pour faire mes cèpes et des boutons en plastique pour faire d'autres champignons. Voilà. Et autrement, j'en ai fait comme on vient de faire tout de suite, là, découpé dans du papier. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'un champignon qui est fait en bouton, il est assez haut. Donc celui-là, on peut le glisser et créer de la profondeur dans la création. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, je prends la colle forte. Pour le bouton plastique. Voilà, je mets de la colle sur le bouton. Je vais prendre la colle E8000. C'est une colle à solvant. Disons que, bon, elle colle bien. Voilà, puis je l'aime bien. Je l'ai découverte grâce à Tadoun, qui l'utilise. Et je me suis dit, je vais l'essayer. Je mettrai ça après, parce que comme je ne vois pas clair, n'est-ce pas? Donc, on va reprendre le même papier, ou on reprend un autre. On va peut-être prendre celui-là. Celui-là, j'ai découpé, j'ai fait un champignon de Paris. Je vais vous le montrer en même temps. Donc, voilà mon champignon de Paris. Donc, en fait, j'ai juste découpé mon papier patouille. Et par rapport à la tâche, j'ai vu un champignon de Paris. Voilà. J'ai collé mon petit pied sur la tâche, de façon à ce que la tâche représente les lamelles du champignon. Voilà. Wali walou. Donc, on va coller un morceau de celui-ci. Je vais choisir l'autre côté. L'autre côté. Voilà. Je prendrai une petite pince. J'espère que je ne vais pas bouger la caméra. Pour laisser sécher. Voilà. Pendant ce temps-là, pendant que ça sèche, mon champignon, mon papier, on va coloriser le pied de ceci. Avec, on va prendre de l'encre Distress. Vous voyez, on voit un peu le papier, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave du tout. Donc, on va commencer. Ouais, si on pense, c'est pas sec encore. Hein. Rien, on va y aller doucement. Hein. Donc, de l'encre autour. Mais vous, vous attendez que ce soit sec hein, pour faire. Hein. Faites pas comme moi. Hein. Non, non. Voilà. Un petit peu là, parce que j'ai pas été jusqu'au bord. Voilà. Un petit peu là aussi. Un petit peu dessus, donc je vais pas faire comme ça parce qu'autrement je vais arracher le papier. C'est un papier qui est fragile, on va pas comme un pour un. Hein. Voilà, on ne s'énerve pas, on va tout doucement. Donc les pieds, je peux les faire à la distress. Je vais faire le bas des pieds à la distress, comme ça et comme ça. Juste des petites touches. Je vais faire le tour des pieds. On les mangerait, ces champignons. Il faut croire que j'aime bien faire les champignons parce que cela, c'est la deuxième vidéo. Je vais enlever ma mousse parce que j'ai pas de petits doigts pour mettre l'encre. Donc, je plie la mousse, puis je fais ça.
Voilà, ça le fait. Hein. Ça le fait très bien. Voilà. Un petit coup là. Voilà. Ensuite, on peut faire fuser un petit peu ici. Je vais mettre un coup de crayon marron en dessous de mon chapeau. Un petit coup de crayon marron. Je vais prendre celui-ci. Ouais, celui-là. Un tout petit peu, histoire de faire l'ombre du chapeau. Oh, et la fille qui est malade. Allez, un petit coup de crayon. On se fait un petit coup là aussi. On se prend de l'eau. Et voilà. Et voilà. Hop. Et voilà pour le champignon. Sympa, hein? Vous ne voyez pas? Ah, je vais le rapprocher. Je vais le rapprocher. Voilà. Voilà mes champignons. Alors, avec les boutons. Avec les boutons. Où est-ce qu'il est mon bouton? Donc là, je ne vais pas le faire complètement parce que c'est assez long. C'est beaucoup plus long qu'avec le papier. Donc je découpe en laissant un petit rebord tout autour, sauf en dessous. Sauf le côté droit, c'est pas utile. Voilà. Juste pour l'arrondi, de façon à replier le papier sur le bord du champignon. Ok. Voilà. Donc. On va déjà le replier un coup à la main. Voilà, ça donne ça. Il est pas plat, mais justement, ça fait son charme. Voilà. Ensuite, on va mettre de la colle hein, pour maintenir le tout, le bord, parce que j'ai juste plié, donc je mets de la colle sur le bord de mon champignon. Voilà. Et je replie. Encore une fois, c'est un embellissement que je vais utiliser, donc je mets rien derrière. C'est pas utile. Parce que, ou alors, vous pouvez mettre aussi de la cartonnette ou un morceau de papier du bloc aquarelle de chez Action en dessous. Hein, si vous les offrez ou si vous voulez que ce soit bien plat pour les coller. Mais moi, non, je ne vais pas mettre. Parce que je vais mettre un petit carré de carton pour donner de la hauteur sur ma création. Voilà, donc je vais laisser comme ça. Un petit pied. Est-ce qu'il m'en reste des petits pieds? Je croyais qu'il m'en restait. Donc un petit pied de champignon, hein, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué du tout. On va prendre un petit cartonnette, ça suffit. On va le dessiner. Donc celui-là, j'ai envie de le faire un petit peu élancé. Il est ouvert. Hein. Donc voilà. Je colorise d'abord. Je vais coloriser. Donc, je vais juste mettre un petit peu de gris, de noir plutôt, sur le bord. Je vais faire fuser. Voilà. Voilà, voilà. Alors, un petit peu d'eau. Sans que ce soit précis. Il ne faut pas que ce soit précis. Non, non. Est-ce que j'ai de l'eau là-dedans? Ça n'a pas l'air de fuser. Voilà. Voilà. Un petit peu de marron. De marron. Je vais prendre celui-là. Oui, peut-être un peu foncé, Annie. Hein. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. On va dire qu'il est un peu terreux, on va dire. Hein. Il vient d'être ramassé. Voilà. Je le fais vite fait. Hein. C'est un peu trop... Je cherche un chiffon. Un peu trop foncé, là. C'est pas grave, on peut revenir avec crayon gel blanc et puis éclaircir notre histoire.
On dirait une pâte. On pouvait le découper et le coloriser. Hein. Là, c'était plus facile pour vous, pour vous montrer le champignon. Hop, on ne se prend pas la tête, on coupe. Voilà. Un petit peu d'encre marron. Tant qu'à faire d'avoir les mains sales, eh ben, on continue. Hein. Allez. Voilà. Ensuite, le pied, ben, vous pouvez le mettre comme ça. Et puis, voilà. Comme ça, ou alors, non, comme ça. Je le vois comme ça. Donc, à la colle, hein. Là, je pense que je vais mettre une cartonnette pour maintenir, parce que c'est juste un papier, le pied. Ou vous pouvez le faire avec du carton aussi. Hein. Le bouton, il ondule, il n'est pas plat. Donc, voilà, faut que je regarde. Voilà. Donc, voilà, un papier où on peut voir tout ce que j'ai fait. Donc ça, c'est le papier de l'APL. Je vais vous la montrer, mais je vais vous montrer d'abord les champignons que j'ai fait. Donc voilà, une amanite phalloïde. Non, une amanite tumouche. C'est pas phalloïde. Avec un bouton. Bah, en fait, c'est l'autre moitié du bouton qu'on vient de faire. Où j'ai mis du papier crépon de Gabriel, voilà, et que je colorisais un petit peu en rouge. J'ai fait des points blancs au crayon Jal blanc, et puis c'est tout. Et puis le pied... C'est du papier craft où j'ai fait des traits de crayon gel blanc. Donc celui-là, c'est celui qu'on vient de faire avec le bouton. Deux champignons et un bouton. C'est pas beau ça, hein? Si, hein. Ensuite, avec du papier, bah, il m'en reste plus, hein. Ça, c'était le reste. C'est un papier froissé où il y avait du tamponnage. Et puis, sur les plis de froissage, j'ai fait des marquages avec de l'encre. Voilà, le pied, j'ai fait avec un crayon fin. De l'encre Distress Vintage Photo. J'ai fait des petits traits fins avec un pinceau extrêmement fin qui me sert à l'aquarelle. Voilà, pour donner des petites nervures à mon champignon. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. J'aime beaucoup celui-là. Voilà, encore un petit cep. Un petit cep, mais pas comestible. Voilà. Un demi-bouton, un petit papier en dessous. Du papier crépon de Gabriel. Et puis voilà. Voilà le champignon de Paris que je vous ai montré tout à l'heure. Mais on ne voit pas là-dessus, Annie. C'est trop clair. Oh. Je vais prendre le beau carnet de Yann. Comme ça, on va voir. On va voir dessus. On va enlever l'élastique. Le carnet qui me sert à noter toutes mes adresses. Petit à petit. Au fur et à mesure que je les récupère, parce que comme j'ai perdu mon carnet, j'en ai perdu plein, donc je peux plus écrire à tout le monde. Donc voilà, encore avec un bouton, celui que j'ai fait dans ma vidéo précédente. Voilà, un tout petit cep, un champignon avec des lamelles que j'avais fait dans ma vidéo précédente aussi. Je vous le montre de près, j'aime bien, toujours avec ce papier là. Voilà, c'est le même papier. Voilà, les petits cèpes qu'on a fait ensemble. Voilà. C'est joli, hein? Ça fait plein de champignons. Ça, c'est un cèpe, mais pas comestible. Voilà, qu'on trouve. C'est un cèpe de pin, je crois. Ça s'appelle... Non, c'est pas un cèpe de pin. Ça pousse sous les pins, mais c'est pas comestible. Ça a la forme du cèpe de Bordeaux, mais c'est pas bon. C'est pas digeste, on va dire. Voilà. Et voilà, encore un autre champignon. Donc voilà pour mes petits champignons. J'espère que bah, ça vous a plu. Vous voulez voir peut-être la PL qui est en dessous? Allez, je vous montre. Hein. Je vous montre. Voilà. Bah, alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais monter un petit peu mon téléphone comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, en bas, j'ai collé des champignons. Avec des boutons et fait avec du papier. Ce que je vous expliquais, c'est que avec du papier, on peut le mettre sous un autre pour créer de la profondeur.
Voilà. Un collage de découpe citrouille. Là, c'est découpe aussi que j'ai colorisé et puis collé sur mon fond. Alors, le fond, c'est un fond acrylique vert pâle à la base, sur lequel je suis venue avec un pochoir et des encres. Ensuite, j'ai laissé mon pochoir où il était. J'ai enlevé la couleur pour créer ce feuillage clair, là. Je suis venue avec un pochoir automne, faire des feuilles d'automne et des glands. Voilà. Et puis, c'est tout, hein. Et puis c'est tout, j'ai fait des coups de crayon noir pour donner du relief, des petites tachounettes blanches, et puis c'est tout. J'ai utilisé aussi les tampons que m'a offert Isacrea, donc pour les petits feuillages, il y en a un peu partout. Et puis voilà, tamponnage avec l'encre sans pin-up pour les petits feuillages. Voilà. J'espère que vous voyez bien, je vous montre le bas. J'aime beaucoup les champignons. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Hein. Moi, je me suis régalée à vous montrer ça pour la deuxième vidéo. Mais voilà, c'est que du plaisir. Voilà, amusez-vous à faire des champignons. Moi, j'adore. Celui-là, il a l'air de partir en... Il n'est pas collé. Je les manipule comme si c'était collé, forcément. Alors, voilà. On n'y touche plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Amusez-vous, bye bye.